Où est-ce qu'on va là du coup? Là on va au Carrefour Saint-Paul. Mais c'est parti hein. Un petit ride en scooter. Allez, va Monas. Sur le chemin, on est en route pour les Kawasan Falls. On a dû laisser le scooter un petit peu avant à l'entrée parce qu'on n'a pas le droit d'y aller avec un véhicule. Donc là, on fait une petite marche de 15 minutes et après, on arrive aux cascades. Yes. Ouais, quand vous arrivez au niveau des Kawasan Falls, vous devez laisser votre scooter, ils vous sautent tous dessus pour essayer de vous vendre des excursions à droite à gauche là, pour faire les... le canyoning. Le canyoning, là, exactement. Et donc voilà, c'est leur business, donc ils vous alpaguent tous. Donc faut prendre son temps, voilà, bien réfléchir et comparer les prix et puis ça ira bien. Nous, on pense pas faire les Kawasan Falls avec un tour privé, machin, tout ça à 1500 pesos. On pense qu'on va plutôt d'abord voir les Kawasan Falls pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et après, une fois qu'on aura profité bien des Kawasan Falls sans touristes, on va essayer de trouver quelqu'un, un guide, faire ça avec les locaux. Et on va essayer de faire un petit tour de canyoning. Allez, vas-y. Ok, c'est bon? Vas-y, ouais. Allez, c'est parti. Allez, salut!